Vous les attendez. Vous attendiez, ils sont là. Je vous demande d'applaudir très fort d'avoir notre modérateur, présentateur. Vous connaissez, il était là à SKM il y a 2 semaines, Bertrand Neau. Et surtout, parce que c'est pour eux que vous êtes là, nos deux réalisateurs du film, Louis Clichy et Alexandre Astier. Alors, ça dépend par qui, parce que c'est pas celui qui s'est vendu le mieux. Donc, d'un point de vue de la popularité, peut-être c'est pas celui à qui on pense en premier, mais c'est certainement celui qui présente un scénario peut-être très moderne, probablement plus que pas mal d'autres, parce qu'il est déjà découpé en presque en 3 actes, parce que il est moderne dans sa structure parce que le début commence par le plan du méchant. Ce qui est assez rare et assez porteur, mais bon, assez osé quand même. C'est-à-dire que c'est, à part Colombo, où on sait tout de suite quel est le problème, qui est brillant aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est relativement rare, ça marche bien. Bon, les gars, ça n'a pas été inventé cette année quand même. C'est tout pour moi, merci. Et ça hey, je vais me mettre là. Donc, pardon, vous m'entendez bien ? Donc, effectivement, le méchant expose son plan dès le début. Et en plus, même si on a un petit peu rajouté dans le script, le village subit un péril presque fatal. Il manque à disparaître. Et ce n'est pas le cas dans tous les albums qui sont notamment plus chroniques, comme, je sais pas moi, le Tour de Gaulle, l'Hispanie, des choses qui parlent de... où ils font un tour souvent, où ils font de l'exploration. Là, très clairement, il y a un projet très dangereux pour eux. Donc effectivement, ça fait partie des éléments qui nourrissent un grand film moderne, quoi. Et justement, lui, enfin, si je peux m'arrêter, c'est une question à lui. Oui, enfin, vas-y, Lucia. Alors justement, puisqu'on parle de péril, là, on voit bien, ils sont à 2 doigts de perdre la balade, mon ami Gaulois. C'est vrai qu'on a, comme dit Alexandre, on a extrapolé. Après, c'est vrai que c'était un choix d'Alexandre d'adapter cet album en particulier. Et c'est vrai qu'il s'est révélé intéressant parce que c'est des thèmes qu'on connaît aujourd'hui. Quoi. C'est une sorte de mondialisation des choses. Il y a des thèmes écologiques qui sont dessus. Et c'est vrai qu'on a poussé le bouchon plus loin que la BD, qui se résout d'une manière un peu pas facile, mais en fait, bon, comme du BD, c'est-à-dire que ça ne va pas. Il n'y a pas besoin de développer énormément le récit. Et c'est vrai qu'on a poussé les choses plus loin. Alors qu'est-ce que vous avez poussé ? C'est pas forcément évident de dire, il y a déjà une base, mais il faut une petite grain de sel. Comment vous avez fait ça ? Comment ? Bah,
si un des trucs qui était possible, par exemple, pour pousser le danger sur les Gaulois, c'était d'immobiliser la potion et Obélix, c'est-à-dire le druide et Obélix ficelé pendant un petit moment. Après, il y a une règle, parce qu'il y a des règles dans Astérix, c'est vrai que Uderzo l'a très clairement dit pendant le truc, c'est que ce qui compte, c'est que ce soit la potion qui sauve les Gaulois. Moi, j'avoue, pour vous le dire, j'avais pensé à ce qu'ils s'en sortent sans, pour une fois. À la vraie, quoi. En fait, non, parce qu'effectivement, ça soupçonnerait que... Enfin, je sais pas. Ça voudrait peut-être dire que la potion ne sert pas assez à quelque chose, ou que ce n'est pas vraiment ça qui fait qu'ils sont les derniers irréductibles gaulois. Donc effectivement, la loi, c'est la loi. Donc on a immobilisé Obélix, immobilisé la potion magique temporairement. On a poussé le danger jusqu'à la dernière limite. Les Gaulois sont presque en train de perdre. Ils ont les pylônes ici. Et hop, Obélix sort et il arrange tout. Mais ça, voilà, par exemple, c'est un peu plus poussé que l'album, notamment. Deux autres petites choses aussi qui sont un petit peu, alors je sais pas si c'est possible ou pas, mais c'est le côté émotionnel entre Obélix et l'enfant, par exemple, et puis dans le caractère d'Astérix aussi, je sais pas, peut-être que c'est des petites choses dedans ou pas, du tout. Alors Obélix et l'enfant, c'est vrai que c'est pas tout à fait là dans l'album, parce que... Le caractère d'Astérix, c'est sûr que c'est très... comme c'est une icône, on a beaucoup de mal, et je pense que même les différentes adaptations, j'ai l'impression que le personnage d'Astérix, on ne peut pas trop y toucher parce que c'est un peu comme Mickey Mouse, ça devient des espèces d'icônes et la tendance c'est qu'elles vont de plus en plus lisse. Ce qu'on a, moi en tout cas, et puis je pense qu'Alexandre c'était le cas, on a essayé à chaque fois de se dire on va essayer de le rendre, de le pousser un peu dans ses travers. Et de fait, c'est quelqu'un qui veut le bien absolu et en faisant le bien absolu, ça se plante puisqu'il n'y arrive pas et du coup tout le village va être bientôt détruit à cause de sa bonne action, entre guillemets, et c'est ça qui était assez intéressant à développer sur le personnage. Voilà. Bah, sachant que cet homme-là, original, peut-être pas, mais Goscinny et Uderzo ont déjà dessiné Astérix, notamment dans le Chaudron, si je ne m'abuse, quand il est obligé d'aller chercher du fric partout parce qu'il a perdu l'argent qu'il y avait dans le Chaudron. Il est banni du village, donc on le voit pleurer, même dans cet album. On le voit en larmes sur un bord de trottoir, donc peut-être pas dans cet album-là, mais ils ont pu le pousser, notamment, je sais pas si c'est de ça dont vous parlez, mais quand il déprime un peu, ou quand il baisse les bras, ils l'ont déjà fait, quand même. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Bonjour, bonsoir, pardon. Je voulais avoir une petite question, parce qu'on a retrouvé quand même une grosse bande d'acteurs qui ont joué dans Camelot. Dans la série, et je voulais savoir comment on arrive à mixer l'ambiance d'avant avec les copains et un nouveau film pour que chacun ait bien son personnage. Alors, il y a quelques références quand même, on entend les C'est pas trop, enfin voilà, il y a quand même quelques petites. Il y en a qu'une dans le texte. Oui, mais ça suffit, il y a des humeurs. Mais en fait, bon, c'était pas mes copains, les mecs de Kaamelott. Camelot, c'est une galerie de 160-170 personnages sur 6 saisons. Il y en a quelques-uns qui sont bien plus récurrents que d'autres, je vous l'accorde, mais ils ne sont pas des potes. En revanche, c'est vrai que ce sont des références auditives. Et le problème, c'est que comme j'écris des répliques pour les acteurs qui vont les faire, on a eu des textes témoins, on a eu des voix témoins au début pour travailler, pour que Louis puisse faire l'animatique première, etc. Puis après, quand on a su qui étaient les vrais, que je réécrive pour eux. Il y a des gens qui sont pas dans Kaamelott, bien entendu, hein, oui. Il y en a plein. Mais c'est vrai que j'essaye toujours de mixer dans un casting, même si j'aime pas ce mot-là, des gens envers qui j'ai une intimité de son, en tout cas, de rythme, parce que du coup, le fait de les connaître, ça fait que j'écris pile pour eux. Et du coup, c'est facile, quand on regarde la tronche du personnage d'Astérix, d'entendre quelqu'un. Et puis, les gens comme Chava, même si dans Kaamelott, enfin, il y a plus bien avant de le faire, de jouer dans Kaamelott, et ne serait-ce que Karel, c'est pareil, c'est aussi familier pour moi qu'un personnage de Kaamelott, parce que je l'ai entendu autant, voire plus. Donc, ce qui compte pour moi, c'est de me retrouver en intimité avec des gens. Et alors, je tape dans les gens que je connais, et je tape toujours dans les gens que je ne connais pas aussi. Dans toutes les choses que je fais, je vais chercher des gens que je ne connaissais pas avant. Je vais au théâtre, je les chope sur Internet, je regarde un truc. Alors, je ne leur filme pas un truc majeur tout de suite quand on ne se connaît pas.
Mais il y a toujours des gens, par exemple Damien Gillard, que j'ai rencontré sur Twitter, vous êtes des mecs d'Internet, tous, c'est pas très bon, c'est Damien Gillard. C'est un mec qui dit bref, vous verrez, c'est un Belge. J'ai chopé un autre gars qui avait fait des, qui avait chanté des trucs, un mec qui vient des vocabulaires du spectacle. Bon, c'est pareil, il a fait Assurance Touriste dans ce truc-là. Donc, c'est, j'essaie de faire une famille, quoi, une nouvelle famille avec des frais, des pas frais, des, et puis des vraiment pas frais. Je parle de cabloté, évidemment. Voilà. D'accord. Il y a une question là, juste là. Comment vous êtes répartis les rôles à deux réalisateurs? Tu fais quoi? Pourquoi il y en a deux, etc. Alors, moi, j'ai rien branlé. Parce que ça me fatigue. Alors, c'est pas réparti les rôles. C'est ça le problème. Non, non. Dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est surtout une histoire de période. Il y a les périodes qui. Ça, donc, c'est à peu près le double d'une production normale. Hein, un film comme ça, c'est presque 4 ans. Au début, il y a beaucoup de scripts, énormément. Après, il y a, une fois que le script est à peu près fixé, il y a surtout l'animatique. Voilà, alors, oui, c'est ça. L'animatique, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est en fait, c'est du storyboard, c'est-à-dire c'est des dessins d'après le scénario qui sont faits par des storyboarders. Et en fait, l'idée, c'est que l'animatique, c'est une sorte de film, c'est monté déjà avec le timing, déjà avec des voix témoins. C'est pour ça qu'on parlait de voix témoins tout à l'heure. Je mets même des musiques que j'emprunte à d'autres films pour donner une idée du film. Et ça, c'est une base de travail qui est importante parce que en animation, c'est pas comme le film live avec les vrais acteurs. On filme pas 30 heures de film et puis à la fin, on va faire un montage. Il faut évidemment la seconde d'animation coûte très cher. Donc il faut déjà sécuriser et avoir son film avant de le mettre en chantier, avant de le mettre en production. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait tous les deux au début. C'est un avantage aussi, c'est que l'histoire est quasiment pliée depuis 2 ans. Et que depuis 2 ans, c'est quasiment de la production de films. Et c'est vrai qu'Alexandre a évidemment fait le scénario. On a eu quand même des petits échanges parce que le scénario, ça va pas tout seul aussi. C'est compliqué, donc on fait des allers-retours. Il y a des choses qui marchent mieux en animation, d'autres qui marchent moins bien. On essaie de voir aussi le dosage entre des séquences qui étaient beaucoup dialoguées et ce qu'on n'avait pas trop d'action, pas trop de dialogue, c'était tout cet équilibre qui n'était pas évident à trouver. Et après, moi, je me suis un peu plus occupé de la mise en scène, mais toujours en connectant évidemment Alexandre qui a amené ses idées. Et puis Alexandre a fait beaucoup l'enregistrement des voix, parce que quand même, c'est pas mal sa partie. Et voilà, moi après j'ai géré tout le reste, sachant qu'en animation on a aussi briefé les animateurs ils travaillaient d'après les voix. Alors c'est les vrais animateurs, c'est-à-dire que certes ils avaient des acteurs en référence, mais qui étaient filmés pendant leur enregistrement audio, mais c'est quand même des vrais animateurs, c'est pas motion capture, c'est ça que je cherchais. Donc Alexandre et moi avons dû faire notre temps. Sachant qu'il faut savoir que c'est un truc qui m'avait surpris au début, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais quand on brief une séquence, par exemple, vraiment une séquence qui a une unité de lieu et de temps, on a affaire en fait à beaucoup d'animateurs. C'est-à-dire que vous parlez à un type qui va aller jusqu'à ce que la main touche la poignée, mais quand la poignée va faire comme ça, c'est plus le même mec, c'est celui d'à côté qui fait ça. Et face à un autre mec qui fait quand ils sont derrière la porte, et face à un autre mec qui fait le mec qui sourit. Il y a un spécialiste de la moustache, un spécialiste des... Non mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont surdécoupé la tâche, parce qu'elle est colossale. Et du coup, c'est vrai que le brief des metteurs en scène est hyper important, parce que c'est la seule chose finalement, avec l'animatique et le story, qui permet à ces gens-là de faire la même chose à beaucoup. De donner le même caractère aux choses et la même intention d'animation. En gros, c'est 350 personnes, c'est ça quand... Le chiffre, j'arrive jamais à savoir trop parce que, oui, en animateur, il y a eu 40 animateurs en France. Donc, l'animateur, c'est lui qui vraiment fait bouger la marionnette. Mais avant, il y a eu ceux qui ont modélisé les personnages, il y a énormément de postes. Oui, je pense qu'en gros, en comptant tout, ça doit faire à peu près ça. Ouais. Une question. Monsieur, ouais. Comment l'idée d'adapter un Astérix vous est venue? C'est un projet que vous aviez à longue date ou c'est le site qui est venu me chercher? C'est juste qui est venu me chercher. Ouais. Très clairement. Et oui,
Mais ils sont venus, en fait, le gros truc entre... là, je parle de... ça se passe dans les sphères, hein, là, on ne dit pas moi non plus personne. Le gros projet, c'était Astérix en 3D. C'était ça, le truc. C'était comme ça qu'il fallait convaincre Uderzo, et à travers Uderzo, les éditions, les ayants droit, les autres. C'était comme ça, parce que c'est un budget colossal, bien plus grand qu'une animation 2D. Donc c'est d'abord ça qui compte. Est-ce qu'il y a la possibilité de le faire? Est-ce que c'est le moment de se lancer? Est-ce que techniquement on peut le faire en France? Est-ce que sous quel budget? En français? Voilà, les grandes lignes, c'est avant qu'on arrive, forcément. Et puis après, ils sont venus voir pour adapter un album. J'ai pu choisir l'album, en revanche. Voilà, mais moi, c'est vraiment un projet qui est né dans les studios MC. Parce qu'on n'est pas des ringards. Ouais, non, je pense que c'était une volonté aussi de... Il y en a eu, les 2D. Hein. Ouais, bah, le dernier, les Vikings. C'est vrai que c'est les Vikings, c'est un film qui était encore à l'animation traditionnelle. Encore une fois, c'est le projet. Avant d'arriver là, le projet dans les grandes lignes, c'est pour faire notre Pixar, quoi. Voilà, Pixar, ils font pas de la 2D, donc déjà, c'est... Non, très honnêtement, moi je viens des animations traditionnelles, hein, donc c'est un truc qui m'aurait aussi plu. Mais pour être très honnête, c'était l'objet, comme le dit Alexandre, c'était dès le départ de faire quelque chose en 3D. Et c'était pas pour... Alors quand on parle 3D, c'est d'abord image de synthèse avant 3D au début. Donc en image de synthèse comme des Toy Story ou Nemo. Et en fait, c'est vrai que les personnages du Uderzo s'y prêtent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ça faisait sens pour moi quand on m'a dit qu'il y avait ce projet-là. De le faire en image de synthèse parce que c'est un personnage qui construit en volume, même s'il fait du crayon, ça reste des personnages construits, c'est un peu l'école Disney. C'est pas par exemple Joël Soir ou des mecs de BD comme ça qui ont une vraie patte, mais une animation en 3D là-dessus, ou même Ernest et Célestine, qui a été fait du coup en 2D. C'est des projets qui font sens parce que le style graphique est fort. Sur Astérix, il y avait vraiment cette école-là de Disney et d'autres donc qui méritaient le fait qu'on le passe facilement en image de synthèse. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis après, l'image de synthèse, mine de rien, permet des trucs. Bon, la séquence que vous avez vue de sanglier, ce genre de séquences qui sont un peu actives, ça, en animation traditionnelle, c'est une tannée à faire, ça serait compliqué pour un résultat moindre. Voilà, en fait, c'est ça aussi. Est-ce que vous êtes prêts pour une suite, hein? Et quel BD aimeriez-vous être adapté pour cette suite? J'avais dit qu'on ne fasse pas rentrer cette personne. Il y a deux questions en une en plus là. Ouais, moi je suis prêt pour une suite, à condition que ce soit avec celui-là. Mais moi je suis prêt. Et puis je pense que si jamais le projet se présentait, ce qui n'est pas le cas, j'essaierai de proposer un scénario original. Allez. Mais non. Le film sort en 3D, ce soir on l'a eu en 2D, est-ce que c'est votre choix et est-ce que vous avez une version préférée? Effectivement, le relief est tellement pourrave qu'on l'a pas vu. Ah, elle est bon. Non, alors, on bosse encore un petit peu, et il s'avère que la version 3D n'est pas encore tout à fait finie. Relief, 3D relief, c'est avec les bouffées. Je la vérifie mercredi matin au Grand Rex. Mais non, ce n'est pas un choix, et comme on est politiquement correct, nous adorons les deux versions. Non, mais sachant que c'est un peu compliqué comme question, parce que le relief, de toute façon, doit cohabiter avec le 2D. Chez les gens, de toute façon, à moins que le 0,2% qui sont équipés de lunettes chez eux ne s'y mettent, on est d'accord qu'un film doit marcher en 2D avant tout. Le relief, pour moi, qui l'ai vu en relief, et je le dis d'autant plus sincèrement que j'ai 5 enfants et que je me suis tapé tous les derniers films de ces dernières années, tous, mais tous, les mauvais et les bons,
et qu'au bout d'un moment, je sais que le relief a fini par me fatiguer. Et mes enfants aussi. C'est-à-dire que déjà, c'est moins lumineux souvent, il y a un truc un peu plus gris, etc. Et puis, normalement, c'est vrai qu'on a envie de ne pas avoir un truc souligné, peut-être un peu plus comme ça. Mais sans langue de bois aucune, le bonus qui est rajouté sur ce film-là en relief, que vous avez peut-être deviné sans le voir, mais il y a pas mal de surgissements et des choses un peu qui sont calculées pour ça, et d'une manière générale, le relief qu'il y a dans ces forêts, la gestion des flous, des feuilles, des choses comme ça, et tout ce qui est architectural dans les proportions, les perspectives que propose le domaine des dieux lui-même, par exemple, c'est vraiment un plus. Pour le coup, c'est un film que je suis content que mes enfants viennent le voir dimanche, je suis content qu'ils le voient avec des lunettes. Parce que si vous étiez venu dimanche, il y aurait eu des lunettes. Contrairement à ce qu'on peut croire, alors c'est vrai qu'on pose beaucoup la question quand même de savoir si c'est pas ce monument-là n'est pas plus dur à traiter parce que c'est iconique. En fait, ce qui serait bien dur, c'est de faire l'adaptation d'un truc pas bon, quoi. C'est ça qui est dur. Essayer de déceler dans un script trois actes, une construction, des enjeux, des ordines, des choses dont on a besoin pour faire des grands films, se frotter à Goscinny dans un premier temps, ce que ça veut dire, se mettre sur une base déjà hyper solide, fantastiquement solide, hyper moderne, qui contient en germe tous les thèmes dont on a besoin pour faire un grand film, avec une jolie langue en plus de ça. Moi qui aime bien ça, c'est vrai que je me suis lâché un peu là-dessus, et donc se frotter à Goscinny, outre la timidité que ça inspire dans un premier temps, c'est aussi l'assurance de bosser sur une œuvre qui est déjà belle, quoi. Après, le risque, c'est de la bousiller, ce sera peut-être l'avis de certains, mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut... Justement, l'œuvre date de 1971, il y a un certain temps, et qu'est-ce qu'elle a d'actuel? Qu'est-ce qu'elle a de moderne, si tu parles de modernité? Ce que disait un peu lui tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des thèmes bizarrement qui croisent un peu nos prérogatives de maintenant, certaines notions d'écologie, d'étouffement de la ville, qui on voit peut-être pas trop dans le film, mais qu'on sent en tout cas dans les arènes, la surpopulation, le grand air, la campagne, l'urbanisation, les valeurs telluriques que représente la forêt, qui est un personnage à part entière en fait dans le film. On sent bien que si la forêt disparaît, les Gaulois aussi. Donc ça, bon, c'est d'actualité. En termes de structure, pour être un petit peu plus technique scénaristiquement, ce que je disais tout à l'heure, il y a une structure déjà fabriquée un peu en trois actes, qui est très moderne, qui est très cinéma, avec un troisième acte très explosif, avec un climax vraiment placé, comme on le fait dans les 80 minutes chez tout ça, chez DreamWorks, vraiment, quoi, il y a un truc un peu ricain même. Il y a un truc un peu ricain dans la structure. Si ce n'est que, je ne sais pas si une bonne structure est forcément ricaine, mais bon, en tout cas chez Pixar, ils savent faire, quoi. Ils ont toujours su faire ça. Louis, qui est parlé chez Pixar, tu te retrouves aussi. Oui, alors après, j'étais un animateur, donc c'est vrai qu'un animateur a déjà une histoire et doit travailler sur le plan qui a déjà été avant. Mais. Oui, c'est vrai que là-bas, ils disent toujours, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a vraiment fait attention à ça, de ne pas démarrer tant qu'on n'avait pas une histoire qui nous convenait et une animatique qui nous convenait. Là-bas, ils disent toujours, story is king, de sorte de semaine en bol. Mais c'est vrai, en fait, c'est-à-dire que, et en plus, ils ont l'argent pour le faire, c'est-à-dire que l'histoire est roi, et c'est vraiment l'histoire qui a guidé toute production cinématographique chez eux. Après, on peut dire que quand ils font un quart d'eux, je ne sais pas si c'est tellement l'histoire, la logique de production, mais quand même, il y a cette idée-là que l'histoire vraiment, vraiment est importante, et là-bas, ils ont une vingtaine de scénaristes, ils font appel à des 10 heures par semaine, enfin, c'est un vrai travail de fourmi, et après, c'est
trouvé c'est chouette, mais ça n'empêche pas de par moment passer à côté, et puis par moment, en étant moins de scénariste, on arrive aussi un peu mieux, donc il n'y a pas d'école forcément là-dessus. Hein. Est-ce que vous avez suivi la date de son épisode pour l'auteur, parce que j'ai l'impression de petite influence par les questions sur À la lettre, non, parce que je ne suis plus à l'aide depuis longtemps, mais selon ses propres conseils, il ne faut jamais suivre ces choses-là à l'aide, bien sûr. Mais en ce qui concerne Vogler, et peut-être de manière plus fondamentale, Campbell, dont il s'inspire, c'est un peu ça dont je parle quand je dis que Goscinny, peut-être sans, évidemment, même sans connaître ces trucs-là, a eu l'instinct, en tout cas, sur ce domaine des dieux, de quelque chose de remarquablement et surprenamment récent, moderne, si ce n'est que Campbell se réfère à Aristote, donc il n'y a rien de récent là-dedans, dans le fait de vouloir raconter une histoire en trois actes. Mais en tout cas, ce dont parle Vogler est très important dans l'héritage que ça m'a laissé des morceaux à construire. Et puis on a travaillé aussi avec un script docteur qui s'appelle, je confonds ZNB. Qui a collaboré à Shrek, et en tout cas qui a une autre technique que je trouve encore plus chouette pour les 80 minutes, qui est la technique en 8 parties, que j'utilise maintenant pour d'autres trucs, c'est-à-dire qu'en fait il scinde le film en 8, et en fait ces 8 parties, elles ont un code, mais elles ont une petite couleur propre. La cinquième, notamment, plus classiquement dans les films américains, c'est celle qui suit, donc exactement la moitié du film, qui est l'ordeal, là où le héros tombe, en gros. Et ce qui suit, généralement, c'est là où il y a une coupe. Soit il y a une romance, soit une espèce de tristesse mise en musique, comme ça, un truc où le monde redémarre un peu avant d'attaquer la deuxième partie du film. Comme ça, voilà, la 1, la 2, la 6, la 4, on peut même les travailler un peu séparément, et sans suivre ça à la lettre, on peut injecter dans ces parties des trucs en se référant à une petite tradition, voilà, sachant, bon, après il faut en sortir évidemment, on nager là-dedans, c'est la technique américaine entre guillemets, dont celle de Vogler, celle de la Zelnick et même celle de Pixar, parce qu'ils ont diffusé, je ne sais pas si vous avez vu, de temps en temps les 22 points de Pixar, machin, c'est hyper intéressant, pareil, il ne faut rien faire à la lettre, mais c'est bonne inspiration de temps en temps, donc en gros, oui, cette ambiance-là, je vous en ai servi. Comment vous avez choisi, en fait, au niveau du casting des voix, comment vous avez eu l'idée, par exemple, de Laurent Lafitte pour Les Slaves, parce que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit, Florence Foreux aussi pour Dominique, Laurent Deutsch, enfin, comment vous les avez choisis, eux, qui ne font pas partie de la famille Canot? C'est compliqué à dire comme ça. Alors, bon, pour en citer quelques-uns, Chabat, par exemple, moi, j'avais très envie qu'il y ait. Et j'avais pas envie que ce soit une référence à Mission Cléopâtre, donc je voulais pas qu'il fasse César. D'autant plus que Morier Genoux, alors que j'avais déjà fait travailler, mais que... Morier Genoux, je joue le père de Bord dans Camelot 6. Le truc, c'est que c'est un mec qui jouait avec ma mère quand j'avais 3 ans. Donc en fait, c'est un mec que je voyais sur scène quand j'étais vraiment comme ça. Donc c'est une référence vocale pour moi, et pour moi, César, c'était vraiment depuis le début. D'ailleurs, je ne vais pas trop me tromper. Donc Chabat, et je voulais le faire venir, mais dans un contre-emploi, on pourrait dire, donc il fait des prospectus. En ce qui concerne Lafitte, un truc qui est un peu rajouté par-dessus l'album, c'est cette espèce de verbe super chiant et très fourni de ce chef d'esclave, qui a tendance à analyser un peu tout ce qui se passe et à tout passer par le prisme du voilà. Et je me suis dit, il faut un mec qui a une belle diction et qui est capable de jouer le mec qui aime bien s'entendre parler. Quoi. Donc, à côté, franchement, le perso, il est un peu dessiné autour. C'est un genre de Chirac. Il est très satisfait de ce qu'il dit. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on lui a balancé la référence de Chirac à Lafitte en studio. On essaye de le chiraciser. Vous voyez très, très bien ce que c'était, parce que généralement, quand on disait ça, c'était la bonne. On regardait. Donc... voilà, bonne mine. Moi, je voulais travailler avec Florence, c'était une bonne idée, mais c'était pas un gros rôle, donc c'est vrai que voilà. Nakash, j'ai déjà travaillé avec. Voilà, notre regretté Artus de Penguerre, à qui on avait pensé de toute façon de travailler avec lui. Donc, bah, il nous a quittés juste après ses enregistrements, malheureusement.
mais il a fait un petit minus super, mais je saurais pas trop vous dire, c'est un peu à l'instinct, c'est pas trop formulé. On aime beaucoup les Géchiens avec lui, c'est vrai. Et du coup, il y a Morel. Morel qui est bien pote avec mon père, et un jour mon père s'est dit, écoute, si jamais un jour tu veux nous écrire un truc à Morel et à moi, on est preneurs. Je dis, les gars, je sais pas, j'ai pas que ça à foutre non plus. Il y a eu Astérix et je me suis dit, ah, attends, bouge pas. Forgeron, poissonnier, machin, c'est, voilà, c'est des trucs comme ça qui. Et du coup, en plus, comme lui et moi, on est vraiment pro des chiens. Il y a aussi Saladin qui fait un sénateur, à qui on a fait faire des trucs vraiment à la des chiens à la fin dans l'arène, quand il se marre de ses conneries, les glaglas et les gladiateurs, et c'est écrit pour Saladin, c'est écrit pour Monsieur Saladin, quoi, vraiment. Mais bon, voilà, c'est une petite référence comme ça, mais c'est assez impalpable, c'est un peu l'instinct comme ça, et puis en plus, on était un peu le garde-fou de chacun, c'est-à-dire que si ça parlait un peu, on savait que c'était le bon, quoi, voilà. Je trouvais que la bande-son était vraiment excellente et que la bande originale, pour le coup, l'était vraiment. Quand est-ce qu'on décide que le climax et l'assaut final, ça va être une reprise jazzy de Bach? Et comment s'est construit, en fait, la bande originale? Comment s'est construit quoi? La bande originale. L'animatique de Louis contenait énormément de musique d'emprunt dès le début. Sans qu'on sache qui allait composer, sans qu'on sache. Parce que c'est vrai qu'un film d'animation sans musique, c'est hyper difficile. C'est déjà un animatique, c'est très ingrat. Parce que c'est quand même une suite de plans fixes, avec une voix trop basse, pas d'ambiance, pas d'animation, rien du tout. Donc c'est vrai que la musique, ça a très très vite indiqué les mouvements rythmiques du film. Donc il y avait des références. Et pour le coup du Bach, c'est moi qui ai proposé ce truc-là, ce que Bach, j'aime bien. Les Swing and Senior, c'est vrai. C'est pas ce morceau là. Tout à fait. Il avait choisi les Swing and Senior sans bac. Donc voilà. Ça c'était en fait. Ça c'est vraiment un truc particulier. Les Swing and Senior de bac. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouve avec cette séquence qu'on voulait de toute façon où les mecs, séquence défouloir, vous avez pris la potion, vous voulez que ça castagne. Et c'était très très dur de trouver une bonne musique là-dessus, parce que forcément on était dans la paraphrase. Je me rappelle, j'ai essayé Nick de Bénil, j'avais essayé plein de trucs, et c'est vrai qu'on était toujours dans quelque chose qui ne prenait pas assez n'avait pas assez de décalage, n'était pas héroïque. Et en fait, avec les Swing and Singles, c'est une suite anglaise, je crois, de Bach, un peu jazzy, on a un détachement qui est là, on a quand même une mélodie qui est noble, et qui un peu héroïque aussi par rapport à ce qui leur arrive, et en même temps c'est tellement décalé par rapport à ce qui se passe, parce qu'ils foutent des torgnoles à tout bas, qu'on a trouvé que c'était très pas chouette, et on a voulu le garder, ça devait être un truc témoin, donc forcément appelé à être jeté, et puis on a tanné notre producteur, ici présent, pour le garder. Qui s'en félicite bien. Qui s'en félicite maintenant, et on est très content. Et après, tout le score, évidemment, quand on fait une animatique, on va mettre du John Williams, on va mettre du Thomas Newman, parce que c'est gratuit, on prend un CD hop, on fout dessus. Et c'est sûr que voilà, après on met la barre très très haut, donc c'est vrai que le compositeur, il a énormément travaillé, je pense qu'il a passé des moments difficiles, parce qu'on voulait un truc assez précis, moi je suis personnellement très content du résultat, et puis la musique a joué un énorme rôle aussi dernièrement sur les Romains, c'est-à-dire que les Romains, on s'est dit, il faut qu'on leur trouve une particularité quand ils arrivent. Et c'est vrai qu'on s'est dit, très vite, ça serait. En même temps, c'était une sorte d'hommage aussi au premier dessin animé des années 50, 60. On a dit que ça serait pas mal de faire un truc moderne du point de vue des Gaulois, qui avait une musique plutôt symphonique et en même temps un petit peu celte. On a mis du jazz, on a mis de la bossa, et même on est allé jusqu'à la musique pop années 80, là, Sarah Parquet Tiamo, dans le film, qui amène encore plus de modernité. Bonsoir. Vous avez parlé des voix célèbres. Moi, je voulais que vous nous disiez un mot de votre collaboration avec Roger Carrel, qui est sorti de sa retraite, je crois, rien que pour ce film. Comment il est pour travailler avec lui? Je vais un peu croiser la réponse que j'ai donnée pour Goscinny. C'est jamais compliqué de bosser avec les Rolls-Royce, hein. Ça va tout seul, quoi. Je ne sais pas comment vous dire, c'est non seulement un grand acteur, mais c'est un grand acteur, comme vous le savez, hyper habitué au micro, au doublage.
aux voix qui prêtent à des dessins, à des animés. Donc en fait, c'est systématiquement quelqu'un qui ne se gourre jamais d'intention, est capable de vous proposer trois couleurs successives sur les choses que vous lui demandez. Et les trois sont bonnes à prendre, donc on est en mer de montage, mais enfin, c'est quelqu'un qui est d'une générosité sans borne, c'est quelqu'un qui est bien évidemment, comme il me rappelle Mondi, mon cher et regretté Mondi, dans son côté classe. Et vous savez, il y a les acteurs, ils montent, ils sont humbles au début, puis après, quand ils commencent à faire chier le monde, peut-être il y a des emmerdeurs, puis on a le cran du dessus, quand ça devient vraiment, vraiment des Rolls. Là, d'un coup, ils sont juste une crème de mec, quoi. Donc, voilà, il est sorti de sa retraite, c'était la classe, parce que nous, on a vraiment démarré le film en pensant qu'il... Alors, on nous avait dit qu'il ne voudrait pas, donc, très clairement, quoi. On avait commencé à se mettre en chasse de quelqu'un, mais c'est pas évident de lui succéder, quoi. Et là, bon, bah, que dire, on a du bol, quoi. Et je trouve en plus de ça que vis-à-vis d'un personnage 3D qu'on n'a jamais vu comme ça en page d'Astérix en 3D avant ce film, le fait de le créditer par la voix de Roger en plus, c'est-à-dire un côté je viens d'arriver, mais en même temps j'ai la voix d'Astérix de toujours qui résonne dans les oreilles de tout le monde, c'est inespéré pour nous qu'il soit là. Voilà. Ouais, c'est vous. Vous avez fait beaucoup de parti pris pour les références aux anciens albums. Mais du coup, pour avoir fait des références contemporaines comme le Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup. Alors, le Seigneur des Anneaux, c'est pas moi, c'est un animateur qui a dit « Hey, et si on faisait ça ?» C'est un storyboarder. Voilà. Pour King Kong, on n'a pas dit « on va faire King Kong ». Il y a un truc que je voulais, c'est que le retournement de situation économique soit extrêmement puissant. Peut-être plus que dans les albums. Une espèce de monstre, un truc qui d'un coup défonce tout, quoi, parce qu'il est gavé de sucre en plus, il a bouffé, on imagine, un tas comme ça dans le film, donc il a un côté foudrage, et puis je trouvais que c'était cathartique, à un moment où tout le monde a le pylône comme ça, et où tout est bloqué, de faire sortir ce mec et qu'il casse tout. King Kong, c'est devenu une référence dont on a parlé parce qu'il s'agit d'immeubles, parce qu'il s'agit d'escalader des trucs, parce qu'il essuie des tirs de flèches, parce que, et évidemment, bon, c'est... Mais c'est pas une référence voulue, c'est devenu une référence de travail, quoi. À tel point qu'à un moment, on trouvait ça, enfin, on a commencé à faire le mouvement de caméra, je me suis dit, c'est pour que ça passe plus King Kong. Il faut qu'il ait un truc qui tienne comme il tenait la fille. Et donc on a eu l'idée de ce gâteau. On s'est dit, bon, il va venir un gâteau, il ne veut jamais qu'on le détruise. Et c'est voilà, ce qu'il y a de très beau, de toute façon, dans King Kong de Jackson. On sent encore même plus que ça, c'est-à-dire que non seulement il porte un truc, mais il a l'agilité d'un singe avec. Dans Suite Jackson, je ne sais pas si vous vous souvenez, il se bat avec deux T-Rex et il jongle avec la fille. Il a de la délicatesse dans une main et il défonce toute l'autre main. Et là, avec le gâteau, il y a un truc, voilà, je trouve qu'il faut... La modeste. Non, mais on n'avait pas les T-Rex. D'autant plus que c'est pas moi qui l'ai fait, je m'en fous. Il y a un côté, ce gâteau qui jette, c'est-à-dire qui s'intéresse à l'action, mais en même temps, il perd pas de vue qu'il faut qu'il bouffe son gâteau. Cette espèce de double truc, cette élégance, moi j'appelle ça une élégance, en tout cas on dirait un danseur des fois, ce mec. Obélix, pour moi, ça, j'avais envie de faire un... Ouais, j'avais envie qu'on le voit comme on l'a pas vu. Et ils m'ont trouvé en deuxième temps, et puis c'est vrai qu'il fallait qu'on
qu'on se sente un peu contre nous. Ah, ça n'a pas été une partie rose. Non, ben là, on s'est rencontrés pour savoir si déjà on pouvait à peu près s'entendre et puis si on avait à peu près la même idée du film à faire. Et ça a bien marché, donc on est partis tous les deux. Et la deuxième question, c'est grosse machine de carton blanche. Et oui, mais c'est ça l'intelligence des producteurs. C'est que quand ça coûte cher, il faut qu'on s'amuse quand même, sinon ça ne sert à rien. Si le fait d'amener de l'argent amène des restrictions et des surveillances de gens dont ce n'est pas le métier et qui n'ont pas les compétences de le faire, notamment en script, en réalisation, bah on tombe dans un truc qui est fait par le marketing. Là, le truc, c'est qu'ils sont venus nous chercher et puis que quand on croyait vraiment à un truc, bah, y a eu la place de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je peux parler de ce film. Et moi, dans le pif, j'en suis très fier et je pense que lui aussi. Je ne parlerai pas différemment d'un film à moi dans lequel je fais ce que j'ai voulu. Exactement. Bonsoir. Je vous remercie pour enfin la première Vous pouvez savoir comment est-ce que vous avez réussi à équilibrer ces deux niveaux, donc adultes et enfants. Est-ce qu'il y a des moments où vous partiez plus dans l'un que dans l'autre? Est-ce qu'il y avait une ligne à suivre? C'est pas très calculé. Y a un système simple, c'est-à-dire que quand on propose un truc sur Astérix, puisque franchement, Goscinny, pour moi, c'est fondateur, quoi, comme beaucoup de scénaristes en France, notamment ceux qui essaient de faire un peu rire de temps en temps, c'est ça au même titre que certainement Gottlieb, que plein de trucs. Je veux dire, c'est voilà, Goscinny, c'est là quoi. Donc à partir du moment où on l'aime vraiment, on ne peut pas franchement faire de conneries. C'est difficile de venir piétiner un truc pour lequel vous avez un respect fondateur comme ça. Après, l'équilibre enfant-adulte, je ne suis pas persuadé de savoir faire. En revanche, il y a un truc de très clair, c'est que l'animation parle à tout le monde. Quand elle est bien faite, elle ne s'adresse pas forcément aux enfants parce que ça bagarre. Elle fait rire tout le monde parce que depuis le burlesque, depuis tous les trucs muets, de toute façon, ça marche sur n'importe qui quand c'est réussi, quand c'est bien fait. Et sur le script, je crois que comme partout, je fais le film que je voudrais voir, quoi. Et il se trouve qu'avec mes enfants de tous âges, j'ai vu des dessins animés dont certains m'ont bouleversé. Bouleversé. Kung Fu Panda 2, ça m'a bouleversé. Je le dis sincèrement, j'ai trouvé ce film hallucinant de production, de script, de scoring. J'ai trouvé ça fou, quoi. C'est que des films. Hein, on va se le dire, production, script writing et réalisation. Voilà. Plus de boulot pour longtemps, mais voilà. En tout cas, ça, je pense, je ne sais pas s'ils se sont posé la question de savoir s'il y avait deux ou trois lectures dans ces trucs-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on a tous aimé, beaucoup de petits au plus grand, parce que je crois que les mecs qui sont sur l'écran sont libres de faire ce qu'ils veulent, pour rejoindre la question de madame, et que ça, je crois que ça parle à tout le monde. Ce qui finit par rendre les cibles compartimentées, c'est quand il y a derrière des gens qui se disent notre cible, c'est ça. Et nous, on n'a pas de cible, on branle, on veut faire un film. Donc du coup, je pense qu'il est possible qu'aucune tranche d'âge spécifique ne se trouve démunie devant ce film, parce qu'on a des goûts de gamins aussi, tout autant qu'on a des goûts un peu plus... Ça manque de gonzesse. Ça manque de gonzesse, je suis tout à fait d'accord. Il manque la femme d'Ashkenaz. Je le dis depuis le début, il la faut, il n'y avait pas les roues pour la modéliser. Si jamais il y a un 2, elle y est, c'est sûr. C'est pas une carte blanche imposée aux autres, hein. C'est une carte blanche de fait, c'est-à-dire qu'il y a même eu des choses qui ont été difficiles à passer parce que sur script, elles ne marchaient pas bien. Ou sur l'animatique, des fois, elles étaient trop abruptes, ces trucs-là. C'était un peu sec à voir, sans anime, sans musique, sans les vraies voix, sans les bons... C'était difficile. Il a fallu que Louis, des fois, pousse un peu plus les maquettes pour qu'il y ait un autre pige ce qu'on voulait faire, et auquel cas elle a dit ouais d'accord, ok, ça va. Mais il a été super surveillant,
Il sort chez lui, là, je peux vous le dire. Il dit que c'est son film préféré, donc, c'est pas parce qu'il s'en est foutu, bien loin de là. C'est vraiment parce qu'il a été très paternel avec son Astérix. Il a vérifié, lui, il a rencontré plus que moi dans le truc. Parce qu'il est peut-être plus sensible au studio d'animation et à ce monde-là, mais bon, tu peux en parler de ses visites. Il était vraiment dessus. Ouais, de toute façon, il était là pour ses personnages au niveau de la forme, c'est-à-dire qu'il a vérifié que les personnages soient ceux qu'il avait dans le design de la BD, finalement, que le design de la BD soit vraiment sauvegardé. Et après, oui, ce que disait Alexandre Demet, c'est vrai qu'il y avait des points qui étaient tendus, par exemple le fer Obélix qui tombe dans les vagues et qui s'arrête pendant quasiment une moitié d'acte, c'est des choses qui... Sur le papier, il y a un peu une historique qui disait on ne peut pas, Obélix est surpuissant, ça ne peut pas se faire. Donc ça, c'est un des points qu'il a fallu montrer, prouver, pour que on lui explique que c'était une logique aussi et que ça participait à l'histoire globale du domaine des dieux et de l'écosystème. C'est des choses qu'on fait peur sur le libellé. En fait. Ouais. Astérix qui tombe dans les pommes à la fin de faiblesse après avoir bu la potion magique pas finie et qui se retrouve dans les bras de Automatis, même qui finit par le lever en l'air comme ça, moi je trouve ça iconique, ça me plaît beaucoup, mais c'est vrai que dans le libellé comme ça, vous dites à Uderzo, Astérix tombe dans les pommes, c'est peut-être une grosse erreur de notre part, peut-être, donc il dit attention, une fois qu'il pige ce qu'on veut faire, voilà, il le laisse quoi, la pomme. Pourquoi César ne parle pas à la troisième personne? Parce que je sais pas. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Il le fait dans les. Il fait pas dans tous les albums. Ouais, il y a deux blagues au début. Ouais, ça l'aurait éloigné un peu. Du truc. C'est déjà fait dans Astérix. C'était pas dans celui-là, j'étais d'ailleurs. Delon, il parlait aussi, voilà. Ouais. Mais bon, c'est pour d'autres raisons. Mais non, ça aurait enlevé du... Parce qu'il a des engueulades, c'est-à-dire il a des sénateurs, il a des trucs... Ça aurait contourné le direct du truc, je pense. Ça aurait moins bien sonné, je crois. Oui, j'ai juste une question. Du coup, est-ce que ça vous a donné des idées, enfin cette expérience-là, du coup, de l'animation, vous a donné des idées éventuellement pour ou des envies pour la suite, à part un 2, mais je parle en dehors d'Astérix. Est-ce que ça vous a donné d'autres idées ou d'autres envies en tant que réalisateur, même des idées en tant qu'acteur? Parce que vous avez quand même pas mal de choses sur le, enfin voilà, vous êtes un peu dans plusieurs domaines, donc ça pourrait peut-être vous donner des idées. Je bosse beaucoup avec Jean-Christophe Ambert, mon acolyte, et il voudrait faire un biopic de Jean-Pierre Raffarin. En animation? Non, mais moi je peux peut-être venir, et pourquoi pas l'animation, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, on va voir ce que donne ce film, il est en train de naître, bon voilà, c'est le monde de Louis Clichy, ce truc-là, c'était pas le mien. Oui, confirme sa place dedans. Moi, j'arrive. Ce que je veux dire, c'est que je suis extrêmement surpris de l'expressivité et de la place laissée aux comédiens, notamment pour enregistrer en français, qui est assez rare sur ce genre de budget. Et je suis vraiment hyper ému de les voir bouger en français, parler en français, s'engueuler en français, d'avoir une nature si French, si proche de nous, dans les attitudes, dans la 3D pure, comme je pouvais voir les films Pixar et compagnie. C'est sûr que c'est hyper encourageant, ça me fait. Je trouve ça super comme boulot. Quand je pense que ça a commencé avec des acteurs dans un studio comme à la radio, quoi, avec des micros et on joue. Et quand ça joue bien, et ben on s'arrête. Et quand on est content à l'oreille, ça suffit et ça va donner ça. C'est vrai que c'est vraiment hyper, hyper agréable. C'est un boulot monstre, mais c'est hyper agréable. Moi, j'aurais dit, réaliser un film d'animation en 3D, quelles ont été les difficultés, on a parlé de Pixar, on a parlé de Dreamworks, des grosses machines avec pas mal d'éclats en français, est-ce que ça a été compliqué de faire ce film en France,
une petite enquête de meilleur opération. Alors, ça n'a pas été. Alors, ce que je fais bien, c'est que c'est une licence connue avec les garçons de parrain de pays. Donc, c'est sûr que c'était on avait besoin d'un budget qui était un peu important, parce que c'est vrai que les études d'animation, c'est plus cher. C'est un travail, travail à la chaîne ici. C'est énormément de temps. Et on ne pouvait pas s'autoriser de faire un film à Bakou avec des images de synthèse. Une image de synthèse, quand vous n'avez pas l'argent, ça devient très vite moche et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on savait qu'on avait un minimum quand même qui garantit en termes de financement qui ferait qu'on pourrait faire à peu près le film que moi j'avais en tête et qui n'est évidemment pas forcément exactement d'un niveau de ça, mais qui pouvait faire la prochaine. Après, ce qui a été plus bien, ça a été de trouver un studio, parce qu'au départ, on devait faire ce film à MacGuff. MacGuff, vous le savez, enfin, ou pas, mais MacGuff fait maintenant exclusivement des longs métrages pour Universal. Donc, on a été un petit peu remercié encore juste avant de commencer le film. Et il a fallu trouver un autre studio, c'est vrai qu'on savait que ben, les studios d'animation 3D, en France, il n'y en a pas beaucoup. Et on a fini par choisir Micros, qui est une boîte qui n'a pas fait encore, qui n'avait pas fait encore l'animation traditionnelle, mais qui avait une logique de réflexion sur l'animation qui connaît bien avec la politique que j'avais gardée. Et on a pu, ici, là-bas, greffer et construire tout un studio d'animation. Donc ça a été le challenge de ce film, c'est de faire ce film en même temps que de créer à part entière un studio. Donc ça a été, moi, c'était dur, et voilà, on a pu faire des choses compliquées, et on n'avait pas non plus le recul pour essayer des choses, et se dire, bon, ça ne marche pas, il fallait que ça avance. Voilà. Mais finalement, on s'en est sorti. Après, c'est de savoir si cette aventure-là permettra de pérenniser le studio. Parce que pour l'instant, il y a une grosse équipe qui est arrivée, puis l'équipe a disparu, parce que le film est arrêté. Il n'y a pas de film derrière pour l'instant. C'est aussi le problème français. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils peuvent alimenter une équipe pérenne. Là, c'est le cas. On espère que ça pourrait faire avec d'autres projets. Là, c'est tout ça. Donc voilà, c'est plus un problème de production. En termes de talent, en France, on a un peu chauvin, mais c'est vrai qu'on a vraiment des gros. Il y a énormément de bonnes écoles, il y a énormément de bons animateurs, d'autres corps de métier dont on a besoin. On est très facilement à Paris, en France. Quelques dernières questions, s'il vous plaît. Monsieur. C'est peut-être pas vraiment en rapport avec le film, mais j'aurais aimé savoir, M. Clichy, quel est votre film d'animation préféré, soit de cette année, ou qui vous a inspiré, qui vous a donné envie de faire des animateurs. Alors, si c'est de cette année, c'est un petit peu tard. c'est compliqué, j'en ai pas un en tête, mais comme tout fan d'animation, c'est vrai que moi j'ai été élevé vachement avec les Disney, et il y a des Disney que je trouve géniaux, même si de temps en temps la licence parce que bon, voilà, ils font aussi du business. Mais j'aime évidemment aussi Miyazaki, tous les studios Ghibli, ça c'est des choses que j'ai beaucoup apprécié parce que c'est encore la volonté de marquer l'animation traditionnelle. Et des films récents comme Ernest et Célestine, j'en parlais, c'est des films que je trouve vraiment courageux et chouettes parce qu'ils reprennent, ils sont à contre-courant d'un truc aussi qui bouge tout le temps, qui est avec le vulgaire à la minute et qui sont dans une animation simple, très. Ça, c'est le genre de film aussi qui me plaît bien. Ouais.